Bonjour à tous et bienvenue dans cette découverte. Alors j'ai envie de dire c'est une découverte totale puisque ce jeu vient juste d'arriver. Je l'ai téléchargé, il était à 5000 téléchargements. Et c'est un jeu qui arrivera sans doute sans vraiment trop de problèmes à 1 million, 5 millions, 10 millions de téléchargements, voire plus. Alors c'est sur Disney. Alors on y va, c'est le Crossy Road. Saisir votre âge, j'ai 33 ans. Vous dire, vous êtes beaucoup trop vieux. Non, c'est bon. Donc c'est une sorte de Frog, en fait, je pense, apparemment, de ce que j'ai pu lire, c'est une sorte de Frog de Disney. En version, voilà, en version un petit peu 8 bits comme ça. Ouais, comme par hasard, j'ai Mickey. Trop bien. D'accord, alors je... D'accord, donc là je suis mort. Donc je teste vraiment là, je commence juste ce jeu. Mickey is Mickey 14. Ok. Alors on peut récupérer des pièces par là. D'accord. Mais est-ce que si j'appuie juste, si je tapote, est-ce que ça va ou pas? Oui, ça va. D'accord, ok. Donc en fait, en tapotant, vous avancez très rapidement. Plus vous tapotez vite, plus vous allez vite. Ah, par contre, il y a le... D'accord, il y a le... Ah! Ok. D'accord. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On va pas dire que ça casse des briques, quoi. Mais bon, c'est plutôt pas mal. La musique, les effets sonores, ça c'est... D'accord, on s'en fout. Ça c'est Disney, ça c'est Facebook, je l'ai pas. Ça c'est le Google machin. Cadeau gratuit. Cent vingt machins, ouais, trop bien. Et après on en fait quoi de ces pièces de merde? Réclamer un prix. Avoir peut-être un autre personnage. Alors Mickey, alors tout ce qui est Mickey vraiment c'est Merlionheart. Alors, je connais pas du tout. Tout ce qui est Mickey vraiment je suis pas fan. Tout ce qui peut être Mickey plutôt Dingo encore ça peut aller quoi. Putain c'est quoi cette limousine? Ah ouais putain mais c'est énorme ça. Et je passe comment là? Ok. En plus, il y a du brouillard. Ah, c'est un frog de hardcore gamer là, quand même, hein, parce qu'il est pas facile. Ok. Donc là, je pense qu'il faut que je passe par là. Voilà. Donc là, c'est ça comme ça. Ah merde, je tombe dans l'eau. Non, c'est vraiment pas mal fait du tout, ce Disney Crossy Road. Moi, j'étais plus fan de tout ce qui pouvait être les Looney Tunes. Oh putain, ah, c'est un train ça. Looney Tunes ou les Animaniacs aussi. J'étais assez fan des Animaniacs. Ah merde. J'étais assez fan des Animaniacs, des Minus et Cortex. Voilà, j'étais plus dans ce style-là que dans Disney, quoi. J'ai jamais vraiment aimé les trucs Disney. Alors, à part peut-être les dessins animés de 5 minutes, hein, style les Donald ou les Sam. Les Donald, ouais, ça allait. Encore bon, Sam, non, puisque Sam, c'était les Toons. J'étais plutôt fan des Toons que de Disney en fait, donc voilà. Ah merde. Je trouvais Disney c'était beaucoup trop gnangnan en fait. Même quand j'étais petit, je trouvais pas ça vraiment vraiment exceptionnel. Pour moi, je trouvais ça un peu bête quoi. Même si évidemment, il y a merde.
Même si évidemment il y a toute la magie derrière de Disney. Je suis allé à Disneyland, il n'y a aucun problème, c'était très bien. Mais voilà, c'est pas vraiment le type de. Ah merde! Il est pas mal, il est pas mal. Hein. Je pense que là, il va y avoir des battles sur ce jeu. Parce qu'il y a énormément de pièges. Il y a énormément de petites choses à bien maîtriser. Le tempo aussi, en soi. Ok, je suis pas mal, Hop, 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 hop. Putain. C'est pas mal, c'est pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Un jeu vraiment pas trop mal. Je suis assez surpris. Je m'imagine. Oh la merde. Je pense pas vraiment que les enfants, on va dire, de moins de 8 ans, prennent un plaisir franchement énorme à ce jeu. Ouh là là. Ah putain, je peux même pas revenir en arrière. Voilà, je pense pas qu'ils prennent vraiment du plaisir à ce jeu parce qu'il est quand même super chaud. Et il n'y a pas vraiment de difficulté progressive, quoi. C'est que. Ah merde, là, je suis niqué. Alors, je m'étais inscrit à ce jeu justement pour l'avoir, on va dire, en avant-première. Et je l'ai eu aujourd'hui, et donc je l'ai téléchargé et je le teste directement. Donc, j'y ai jamais joué, mais bon, on va dire quand même que. L'intérêt se trouve surtout dans les pièges. Ensuite, dans le gameplay en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, mais là, les gars, c'est gentil, quoi, mais... Oh mais hé, coco. Donc voilà, plutôt pas mal, plutôt surpris. J'imaginais un truc un peu plus pour les enfants, un peu plus, voilà, on va dire, enfantin et quoi que ce soit. C'est clairement pas un jeu pour les gosses. Ils vont vite péter un câble. Parce qu'il y a énormément de pièges, quoi. Même avec Mickey, hein, on peut pas dire vraiment que ça soit super facile. Et bon, c'est un jeu d'observation aussi, hein, d'anticipation. Ah merde, putain, je crois que c'était une rivière. Ok. Eh bien, écoutez, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je pense qu'en plus, on peut collectionner énormément de personnages, donc c'est quasiment infini. Hein, tous les personnages que vous pouvez avoir, bah, je vais voir. Regardez, là, je vais essayer d'en choper un. Voilà. Hop. Je veux dire, le nombre de personnages de Disney est à proprement parler hallucinant. Donc, je veux dire, si vous avez tous les personnages, même des personnages dont on se fout complètement, Wasabi, qu'est-ce que c'est que ce jeu, il vient d'où ce jeu, ce personnage hein. Et chaque personnage aurait un univers propre, ce qui serait purement phénoménal. Ça serait phénoménal quand même. Hein, Là, on est plus dans la nuit. Ah merde. Ouais, plutôt pas mal vraiment. Cadeau gratuit. J'ai encore des cadeaux, il n'y a que des cadeaux là qui tombent là. Je vais reprendre un autre personnage pour voir. Allez, on est reparti, autre personnage. Donc on est quand même des personnages qui ressemblent à quelque chose quand même, que j'en ai au moins un. Qui c'est ça? Nouveau, rare, dégoût. Dégoût. Ça va être dans les égouts ça. Non. Ah ouais, putain, chaque personnage aurait un univers propre, ce serait énorme. Franchement, ce serait énorme. Moi, je rêverais de ce jeu, à la limite, avec les Toons. Mais non, mais j'appuie. Je rêverais de ce jeu avec les Toons. Avoir le coyote, etc.
traverse, 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 traverse. Ah merde. Donc plutôt pas mal, vraiment pas mal. Je suis assez surpris. Parce que j'imaginais vraiment jouer à un truc super super cucu quoi. Alors évidemment c'est cucu, on est d'accord, mais il y a un style graphique, hein, je veux dire, c'est indéniable. Ah d'accord, en plus il y a quand même un petit gameplay qui est assez sympa. Et en plus on peut pas attendre. Bon, eh ben putain les enfants. Un jeu extrêmement technique. Hein. Je tiens à signaler, je pense que ce jeu est super technique. Ah, ce jeu, je pense, est super technique. Et je pense qu'on va avoir une compétition de qui osera aller le plus loin dans ce jeu. Il va y avoir quand même pas mal de vidéos, je pense, sur des scores de ouf où ils vont arriver à 2000, 3000, 10 000, 100 000, 100 000 trucs. Des no life. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais enfin bon, bref. Oh non, ah bah non, Didier. Voilà, on peut avoir Woody. Ça serait vraiment pas mal, c'est pas mal du tout, vraiment. Excellent. Bref, voilà, donc c'est pour voici la présentation hein, de ce jeu. Disney Crossy Road, vraiment super jeu qui va mettre votre vitesse, votre observation et votre sens de l'anticipation à rude épreuve. Très très bon jeu Disney. Allez, à la prochaine.